reborn. Wow. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur ce ban. C'est extraordinaire aujourd'hui de nous retrouver. On vous retrouve dans une vidéo hors du commun. Et ici, nous allons découvrir des choses hors du commun sur les célébrités. La plupart du temps, les gens veulent devenir stars. Ah, je vais être célèbre, je ferai tout, je donnerai tout pour être célèbre. Comme si c'était toujours facile. Ce que nous allons voir va vous montrer des choses hors du commun. Regardez ça. Waouh, comme vous le voyez, c'est extraordinaire. Et ça, ça l'est joli. Quand on voit ça, on dit quoi? Oh, je suis bon. Je veux dire, c'est célèbre. Et regardez. Ces gens-là reçoivent beaucoup d'amour, n'est-ce pas? Mais bien sûr que lui, beaucoup de personnes les aiment. Et elles se disent, oh, c'est extraordinaire. C'est ce qui me pousse beaucoup de personnes à tout donner pour atteindre ce niveau de célébrité. Et quand on va plus loin, on voit encore une autre star qui est là, juste là. Même quand elle n'a rien à faire, elle est tranquillement en train de réfléchir à ces choses. Il y a des personnes qui viennent quand même se prendre en photo avec elle. Et on voit ici encore que là, même quand elle est en train de penser, c'est la fête, à ses idées. Les gens même continuent toujours à la prendre en photo, on ne sait même pas ce qu'il ne va pas. Sont-ils des paparazzi? C'est possible. Et quand on regarde ici encore, on voit que là, elle dit, ok, après si aujourd'hui je suis content, il faut que je les salue quand même. Parce que ils sont ma famille quand même, il faut que je salue les gens. C'est extraordinaire. Ah, mais quand on va plus loin, on voit ici, oh là, je suis avec ma femme. Ma femme, nous sommes ici, il faut qu'on nous prenne en photo quand même. Je suis une star. Et là, les choses commencent à dégénérer. Ah, pourquoi cette personne a mis son bêtement sur sa tête maintenant? Ah, tu n'as pas dit que tu es une star, tu es une star, tu es une star, tu te caches où vas-tu? Ne te cache pas! Et regardez, cette personne a tout simplement fermé son visage. Regardez. Waouh! Juste comme ça. Ça, c'est un truc de ouf. Mais pourquoi? Personne ne sait. Mais quand on va voir ça, on va comprendre. C'est pas facile d'être une star. Tout le temps des paparazzi. Même quand vous n'avez pas envie de vous prendre en photo, vous ne voulez pas qu'on vous prenne en photo, on vous prend en photo quand même. Parce que vous êtes une star, une personne connue. C'est bizarre. Et cette star ici, elle est en train de se bagarrer avec quelqu'un qui a essayé de la prendre en photo. Parce que, et elle-même, elle a demandé au gars de ne pas le faire. Mais comme c'est une star, les gens sont tellement chauds. Et ce paparazzi, lui, c'est son travail. C'est son métier. Comme tous les autres photographes que vous voyez même ici. Et eux, ils doivent carrément prendre cette personne en photo. Mais c'est pas tout le temps facile. C'est pas tout le temps facile. Là, c'est le côté visible qu'on vous montre. Comme vous le voyez, ça tourne parfois même à de la bagarre. Et voilà. C'est ça qu'il y a ici. C'est pas ce qui se passe ici ou à quel jeu ils sont en train de jouer. Mais même dans les situations un peu bizarres, les gens prennent une photo quand même. Ils sont sans pitié. Regardez. Là, apparemment tout va bien. Elle a dit de regarder les gens. Elle a souri un peu. Et ici, le taux se resserre. Là, tout se resserre. Ah, même quand vous avez le visage, c'est quand vous prenez une photo quand même. Non, ne prenez pas en photo. Non. Écoute, tu es une star, tu prends une photo quand même. Qu'est-ce que ça va pas? Mais souvent, c'est grave. Regardez même ici. C'est vraiment grave. Que se passe-t-il? C'est peut-être que la personne a appelé en photo pendant qu'elle était dormie. Et ces photos sont sur les réseaux sociaux. Oh, vous ne sautez même pas que les gens voient ça. Mais c'est la réalité. Là, c'est ça dans le passé. Quelques temps avant, elle a eu des problèmes avec le photographe. Parfois même les paparazzi vous cherchent. Ils peuvent vous dire des mots grossiers juste pour vous provoquer. Mais si vous n'avez pas un bon garde corps pour vous retenir, vous allez carrément sortir de vous. Ah, vous allez même chercher à les manger. Les gens vont dire ça, mais c'est pas facile. Hein. Ça, c'est pas tout le temps facile. C'est pas toujours facile. Regardez comme le garde corps même il est même chaud. Heureusement qu'il a des muscles. Hein.
Mais apparemment, cette jeune star est tellement fâchée qu'elle risque de renverser le cadre de corps. Ah, c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Maintenant que vous allez voir ça, ça va vous rappeler la vidéo que nous avons faite récemment sur le pape et la femme du 31. C'est le titre de la vidéo. Ici, le pape marchait tranquillement lorsque cette femme-là, elle a tiré juste par derrière. Elle veut le saluer foncé. Ah, du genre, tu es une star. Je suis trouvé, tu es pasteur, tu es prêtre. Faut me toucher, ma vie va changer, je vais bénir. En même temps, il fallait voir ce qui s'est passé. Elle a tiré le pape comme ça. Ah, le pape dit, mais what? Qu'est-ce qui se passe à toi? Bon, je ne sais pas ce qu'il a dit, mais c'est les images qui nous montrent ça. Ah, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu me tues au poil, tu me ramasses devant les gens ici. Et finalement, quand on regarde ça, on voit même que le pape est même fâché. Regardez ça. Il est même fâché. Ah! On dit, mais le pape, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Il dit, je suis fâché. Tu es fâché pourquoi? Mais regarde la fille qui est derrière là. Qu'est-ce qui va avec elle? Elle veut me ramasser devant les gens. Oh, les gens me regardent, il y a la caméra. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et quand il regarde ça, quand je regarde ça, il me dit, effectivement, la vie n'est pas facile. Être star, être connu n'est pas facile. Surtout dans le cadre même de cette affaire-là. Ici, c'est un prêtre. Hein. Lui, quand il passe comme ça, tout le monde le salue. Oh, le prêtre, bonjour. Et lui aussi, il est là comme ça. Oh ouais, t'es joli, t'es extraordinaire. Oui, salut, moi, je suis le papa de tout le monde ici. Mais quand ça a mal tourné ici, il a serré son visage. Ça veut dire ce que ça veut dire. Est-ce que vous pouvez tenter de devenir célèbre maintenant? Moi, vraiment, je ne veux pas être connu à un tel point où, quand les gens me voient, ils viennent se prosterner devant moi. Parce que, voilà. Pourquoi? C'est les pasteurs comme ça qui font ça. Quand vous êtes entré dans l'église, c'est gâté! Les gens sont là-bas. Ouh! C'est le pasteur mignon! C'est le pasteur choco! Il s'est prosterné! Ils viennent se prosterner devant le cas. Ils viennent se mettre en genoux. Et même, ils déposent même leurs vêtements les plus chers, juste là, sur le sol, pour que le pasteur puisse passer dessus. Il ne faut pas que son pied touche la terre! Mais le jour où ça passe, ça se passe comme ça, là. Hey, ne vous fâchez pas. C'est pas facile d'être star, même pasteur célèbre. Mais pas allons plus loin. Comme vous voyez ici, on voit quoi? On voit une jeune star qui est aussi ici. Apparemment, elle n'est pas contente du tout. Elle n'est pas contente. Et voici ce que ça va donner. Elle va renverser du jus sur le photographe. Regardez même sa caméra est ici. Pourquoi? Elle n'est pas contente. Elle est mécontente. Souvent, c'est un peu gênant. Et il n'apprécie pas ça. Comme ça. Regardez même ici. Il a fermé son visage. Disons, aujourd'hui je ne suis pas très bon, ne me prenez pas en photo. Non, non, t'es pas en photo, non. Non, bon, okay, comme j'existais, voilà. Vous allez voir d'autres. C'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Comme vous voyez ça, vraiment, ça nous confirme qu'effectivement, dans la vie. Ce qu'on souhaite, ce qu'on désire n'est pas forcément bon pour nous. Mais quand ça nous arrive, qu'est-ce qu'on fait? On a bien supporté ça quand même. Et on a obligé de trouver des astuces pour pouvoir se cacher, regardez. Vous imaginez que cette personne a décidé de même se cacher. Tellement vous êtes célèbre, partout où vous passez, même quand vous mettez votre numéro par erreur sur les réseaux sociaux, en envoyant votre tweet. Aïe, 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 vous recevez des milliers d'appels. Ah, c'est pas de la blague. Finalement, qu'est-ce que vous allez dire? Ah, vraiment, dès que je suis même dans un mauvais business, hein. Cette affaire du star, mais ça commence à devenir ennui. Ah, qu'est-ce que je fais? Maintenant, voici ce que vous allez dire. Ouh, I'm not famous. Ça veut dire quoi? Je suis pas célèbre. Je suis pas connu. Ah, regardez bien ce qui est en haut. C'est pas de la blague. Je suis pas célèbre, je suis pas connu. Laissez-moi tranquille. Regardez, on va zoomer un peu sur ça. Regardez. C'est quoi en anglais pour pouvoir bien dire ça. Ah. I'm not famous. I'm not famous. C'est un truc de ouf. Voilà.
Je ne suis pas célèbre. Regardez, tellement ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Hein? Là, dites-moi, dis-moi mon frère, dis-moi ma soeur. Veux-tu devenir célèbre? C'est intéressant d'être célèbre. Vous gagnez beaucoup d'amour, mais vraiment, le stress, à un moment donné, ça devient trop. Ça devient trop stressant. Même le pape a craqué. Même le pape François a craqué. C'est un truc de ouf, hein. Ça nous voit comme des fois, c'est pas facile. Et que c'est même dur. Si cette vidéo vous a plu, laissez un j'aime, partagez-la à vos amis. Et dites-moi ce que vous en pensez. Si vous voulez quand même devenir star, réagissez. Dites-moi ce que vous en pensez. Et ne manquez pas la prochaine vidéo. Sur... Et on se revoit.